ça mérite une photo, ça. Et voilà, j'en étais sûr. J'aurais pas le temps de filmer. Ah si, il y a de l'avocat peut-être. Non, non, il n'y a pas d'avocat. Qu'est-ce qu'il faut avec son masque dans la chambre? On va petit déjeuner, chérie. Et chérie, j'ai faim là. J'ai déjà faim. Alors, elle me dit je mange pas assez. Ensuite, elle me fait maintenant c'est beaucoup pour moi. Bon, en même temps, j'ai mangé la moitié de ton petit déjeuner. C'est vrai. Ouais, réfléchis, elle tient au courant. Guitarisé. ACDC. Oh, le vent. Oh là là. Bon, où va-t-on? Un indice. Ah, ça va être la même qui se fait écraser. Bon, maintenant qu'on est bien installé, on va où? Non, on dit va... pas. Faire du cheval. Quelque part, dans les airs. Du cheval dans les airs, du poney d'air. De la licorne, quoi, voilà. De la licorne, exactement. De la licorne. Bonne réponse. De la licorne aérienne. Du Pégase. Wow! Bon, les amis, ça y est. On a sauté en parachute. Je suis dépoussolée. Gardez les masques quand même dans la voiture. Là, on déjà connaît ça. Avec mon masque à moitié. Avec mon masque à moitié mis. Je vais la couper tout. Tu fais des prières? Ouais. Le joke. Regarde, il marche à pied. Ciao Lunez. Salam, salam. Mi amore. Voilà, ce bracelet n'est pas un garçon, il est à Joséphine. Voilà, on l'a acheté ensemble. Rien à voir. Mais je sens que je vais devoir éclaircir quelques points parce que je vois des trucs de fou. Déjà, je vais juste commencer par Aquababe qui a sorti hier sans source, mais quoi que ce soit par interprétation de lui-même, que j'ai passé le week-end avec un garçon avant de rejoindre tous à Paris. C'est zéro. Toute la semaine, je l'ai passé avec ma famille, avec mon coach pour mes entraînements. Il y a un soir où j'ai fait un dîner d'affaires, mais ça, il est au courant de tout, enfin, aucun rapport. J'ai toujours été respectueuse, toujours été honnête, il n'y a aucun souci là-dessus, toujours été ultra généreuse, et ça, il le sait très bien, et il ne m'a jamais reproché ça. Deuxième truc, Bastos, il sait très bien que oui, on avait quand même des mondes différents, mais on s'entendait sur plein de choses, on avait beaucoup de points communs, et ça n'a jamais été encore une fois la raison de la rupture. La raison de la rupture, c'est que je l'ai quitté. Il avait des propos, des réflexions, etc. qui pour moi, c'était pas mes principes, mes valeurs. Et c'est comme ça. Et peut-être qu'on se comprenait pas. Enfin, on se comprenait très bien. Et c'est très bien de quoi je parle. Mais moi, voilà, il y a des trucs qui... Enfin, bref, moi, personnellement, ça me convenait pas. Et voilà, point barre. Moi, je suis une fille, je suis honnête, je suis sincère, je suis vraie. Et je suis pas une faux cul, contrairement à certains. Donc voilà, moi, je peux pas tolérer plus longtemps que ça. Oui, on a passé bon moment. Mais voilà, moi, à un moment donné, quand je peux plus, je peux plus. Le seul truc que moi j'ai pas accepté et que je tolère pas, c'est qu'au bout de 24 heures, tu te permets de faire une vidéo YouTube sans me concerter, sans me dire quoi que ce soit, pour trouver des excuses de notre rupture. Ensuite, tu voulais poster une photo le lendemain, enfin tu l'as posté pour 16 ans de nous dire au revoir. Enfin, mais mec, tu cherches quoi? On n'est plus ensemble. Pourquoi tu repostes encore une photo de nous deux? Trop bizarre.
Et troisième truc, là, tu parles de Dubaï, de michetonneuse, de mec plein. Maintenant, aujourd'hui, je gagne proprement mon argent. Et c'est mon argent, donc je le dépense comme je veux et je vais où je veux. Et ça ne te regarde pas. Si t'aimes pas Dubaï, t'aimes pas Dubaï. Mais en fait, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Bref, en tout cas, moi, je m'en foutais complètement. J'avais même pas envie de polémiquer. Moi, je voulais juste finir la relation proprement et même pas en parler, limite. Mais visiblement elle a pris l'initiative, donc moi aussi j'ai mon droit de parole, moi aussi j'ai le droit de rétablir la vérité et voilà, après le reste je vais pas plus en dire, je vais pas plus donner des détails sur la relation et je vais pas plus l'enfoncer parce que vraiment je sais pas pourquoi il joue à ça, parce que vraiment si là je vais ouvrir ma bouche et je vais vraiment dire ce qui s'est passé, là ça craint. Donc maintenant, je veux qu'il me foute la paix, je veux qu'il arrête de parler de moi, je veux qu'il arrête de faire des allusions sur moi. Parce que mec, quand je reçois encore des messages ce matin, de menaces, j'ai des dossiers sur toi ou quoi que ce soit, il faut arrêter, d'accord? Il faut arrêter parce que ça, tu l'as pas fait qu'à moi, tu l'as fait à d'autres filles. Et en plus, t'as rien sur moi. Donc les menaces à deux balles, les trucs, les machins que tu n'as pas fait qu'à moi, que t'as fait à d'autres personnes, et j'ai je sais pas combien de témoins, d'accord? Voilà, faut redescendre, tu es assez intelligent encore une fois, pose-toi, réfléchis bien, mais arrête ça direct. Parce que là, t'es en train de me faire monter en pression. Et si moi, je commence à ouvrir ma bouche, là, ça peut faire mal. Parce que moi, ce que je sais et ce que j'ai vu de toi, d'accord, ça, c'est grave, ça, c'est chaud, d'accord. Donc, arrête de parler de moi. Les gens penseront ce qu'ils veulent de toi. Ça, par contre, je m'en fous et ça, je m'en fiche complètement. Mais toi, tu arrêtes. Basta. Get it?